n'importe qui. Surtout dans ces temps de la fête. On ne sait pas qui est qui. Cher apôtre, que Dieu vous bénisse. Pour cette confiance. Pour la confiance. Et pour cette connexion divine. Je vous remercie aussi. Pour l'inspiration. Pour la et le choix de ce thème. De notre convention. Je suis cet après-midi. Na mokola lelo, na après-midi lelo. Dans le centre de victoire de Bruxelles. Na centre de l'église de victoire na de Bruxelles. Pour apporter. Pour accommoder. La paix d'association. Amen. Le peuple en association. À l'heure de Dieu. Na wo dali dosala na Nzambe. Qui s'est fait ici. Wo dosala makati le sika o. J'ai les échos. Na yoka. Vous faites très bien l'œuvre de l'église. Wo dosala dosala Nzambe malamu makati le sika o. M'associer à cette œuvre que nous faisons. Aussi, je suis sous. J'ai dit au fond de mon cœur que l'apôtre Dieu donné est un frère. Je confirme son appel en tant qu'apôtre. Je l'ai observé pendant 20 ans. Dans l'année Bamboula 20 ans. Et je peux dire que c'est un frère vrai. Original. Et sérieux. Qui craint Dieu. Et qui a la compassion des âmes. Un frère qui s'est partagé sans hésiter. Thomas Alanga, c'est une bénédiction Azali Pamboli pour cette église. Pour la Belgique. Pour la Belgique. Et pour la Hollande. Le cadeau que je peux lui donner en tant qu'homme, c'est de confirmer son appel en tant qu'apôtre. C'est un apôtre. Azan Thomas. Un point. Et un point. Nous sommes en train de fêter la célébration de victoire. Vous allez vous fêter la vie est longue. Dans la connaissance, il y a l'information. Il y a la révélation. Je suis ici pour apporter au peuple de Dieu l'information et la révélation nécessaire afin de changer votre manière de voir l'église et votre manière de voir les visionnaires. Aujourd'hui, l'église est mal comprise. Tout le monde joue avec l'église. Les sorciers, les magiciens jouent avec l'église. Les païens se moquent de l'église. Voyons la première révélation dans Acte 19, 31 et 32. Acte 19, 31 et 32. Ici, il y avait des gens qui criaient. Mais ils ne savent pas pourquoi ils criaient. Ils ne savent pas pourquoi ils se sont réunis. Dans ce passage, il y a deux catégories de gens. Les gens qui étaient dans la foule. La première catégorie, c'est la minorité. La minorité savait pourquoi ils sont là. Mais la majorité ne savait pas. La minorité savait pourquoi ils sont là. Mais la majorité ne savait pas. Beaucoup quittent leur maison et viennent à l'église.
sans savoir pourquoi. Mon frère, ma soeur, tu es ici pour avoir une information. Un homme de Dieu l'a dit, celui qui ne connaît pas est pire que l'ignorant. Pourquoi chercher l'information? Parce que l'information apporte la révélation. La révélation apporte l'inspiration. L'inspiration apporte la déclaration. Et la déclaration apporte la manifestation. La manifestation nous amène à posséder ce que nous désirons. Mon frère, ma soeur, la parole ne change pas. Mais c'est la révélation. La lumière de la parole qui change. La rencontre avec la lumière de la parole nous donne le contrôle de toute situation donnée. La Bible dit dans Hébreux 1:3 que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Que la parole de Dieu que nous allons entendre durant ce moment nous sortent de l'humiliation pour entrer dans la gloire. Amen. J'ai dit que la parole que nous allons écouter pendant une semaine va nous sortir de l'humiliation pour nous entrer dans la gloire. Mais quel est mon sous-thème d'aujourd'hui? Le changement arrive. Le changement arrive. Le changement arrive. Mon frère, je dis que le changement arrive. Sois violent. Pour saisir ce message. Parce que ta confession, c'est ta possession. Voyons quitter. Ah, ta confession, c'est ta possession. Ce que tu déclares, ce qui va arriver. Je te dis que le changement arrive. 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 David devant Goliath a déterminé le temps de sa victoire. Il a dit, c'est aujourd'hui devant Goliath. David a dit, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand tu détermines le temps de ta victoire, tu déstabilises ton ennemi. Aujourd'hui, ton ennemi est déstabilisé. Le changement, c'est comme un vent. Le changement, c'est comme un vent qui souffle. Et rien ne peut l'arrêter. Même les grandes puissances ne peuvent stopper l'ouragan. Le changement arrive à grands pas. Ma soeur, tu vas sentir ce changement. Nous disons des choses qui sont vraies. Je dis que le changement arrive. Le changement arrive. Il y a un vent de changement qui souffle sur les églises Victoire Simple Chrétien. Il appartient à toi de saisir ou de le mépriser. Saisis. À chaque réveil, il y a trois sortes de vent. Pour que le réveil vienne, Dieu souffle trois sortes de vent.
Il y a le vent de la repentance. Il y a le vent du changement. Il y a le vent d'adoration ou d'exaltation. Aujourd'hui, le vent de la repentance va souffler. Va souffler. Va souffler. Va souffler. Va souffler. Le vent du changement va souffler. Le vent du changement va souffler. Le vent d'exaltation va souffler dans ta vie. Acclame le Seigneur. Le vent, quand il souffle, on le voit pas, mais on peut le sentir. Là où Dieu travaille, il y a des bruits. Aujourd'hui, vous allez sentir les bruits de Dieu. Parce que Dieu travaille aujourd'hui. Nous lisons dans Job 36. Job 36. Verset 36 à 37. Job 36, 36 à 37. Job 36, 37 à 37. Job 36, 37 à 37. Job 36, 36 à 37. La Bible dit qu'il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Dieu amène d'abord les nuages. Et ces nuages, en contact avec les éclairs, produit la pluie. Dieu a déjà relâché. Sur cette église, ce vent. Ce vent est venu avec les nuages. Après les nuages, les éclairs ou la foudre. Et après c'est la pluie. On a prié. On a prié. Et cette prière est montée au ciel comme des nuages. Et aujourd'hui, Dieu va bouger ces nuages. Et ces nuages vont devenir des pluies. Je dis que Dieu va bouger. Les nuages et la pluie va tomber. La pluie va tomber aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui que c'est le temps de l'apôtre Alanga. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Papa, Dieu a vu ta compassion. Dieu te donne Esaïe 35, verset 4. Dieu vit lui-même avec la vengeance et avec la récompense. Dieu vient avec deux choses pour la langue. Il y a la vengeance, il y a la rétribution. La vengeance pour venger tes ennemis. Il y a une récompense pour votre fidélité. Dieu vit votre fidélité. Dieu vient avec une récompense. Dieu vient avec une récompense. Je dis au passé la langue, Dieu vient avec une récompense. Je dis la propre de la langue, Dieu vient avec une récompense. Dieu vient avec une récompense. Dieu vient avec une récompense. Dieu va te récompenser. Si tu es membre de cette église, ta récompense est grande. Dieu va te donner cette récompense. Les gouttes d'eau de cet esprit vont tomber sur cette église. Sur cette église, je le vois dans l'esprit. Il y a une goutte d'eau. Il y a des gouttes d'eau qui vont tomber. Il y a des gouttes qui vont tomber. Qui vont tomber. Je le vois. Qui vont tomber. Il se peut que tu ne le vois pas. Mais en esprit, je vois les gouttes d'eau qui vont tomber. La pluie est possible. La pluie est possible. La pluie est possible. La pluie est possible. Que le vent du changement souffle dans cette église. Que le vent du réveil souffle dans cette église. Que le vent d'exaltation souffle dans cette église. Vous savez, le changement, c'est un phénomène mondial. C'est comme un virus qui atteint tout le monde. Notre monde change. La politique change. L'économie change. Le climat change. L'homme se rajeunit. Les
les hommes, on les coupe les cheveux. On dresse les cheveux. Où sera génie? Le changement, c'est un état. Le changement, c'est une transformation. Le changement n'est pas un progrès. Mais c'est le prix du progrès. Les choses ne marchent pas dans nos églises. Parce que chacun veut garder son état. Les gens ne veulent pas changer. Vraiment. Nous voyons le changement dans la vie de Joseph. On va lire quelques versets dans Genèse 41. Verset 14. Le changement de la vie de Joseph. Genèse 41. Verset 14. Je lis. Il se rasa. Changea de vêtements. La première chose que Pharaon a fait, c'est de raser Joseph. C'est raser. Changer de vêtements. C'est le signe de la nouveauté. Le signe du renouveau. À la sortie de la prison, Pharaon ordonna qu'on rase la barbe de Joseph. Qu'on lui change des vêtements. Pour entrer dans la gloire de Dieu, Dieu nous fait porter des vêtements de salut et de la délivrance. Et Esaïe 61, verset 10 dit: quand il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Pharaon ne voulait pas que Joseph soit au rang du premier ministre, avec la barre de la prison, avec la tenue de la prison. De la même manière, pour te faire entrer dans la gloire de Dieu, Dieu t'enlève d'abord les habits de deuil. Dieu t'enlève les habits d'humiliation. Dieu, avant de faire entrer dans la gloire, enlève d'abord les habits de deuil. Enlève les habits d'humiliation. Et à la place, il te porte les habits de gloire. Verset 42. On l'a mis l'anneau à la main. L'anneau, c'est le signe de l'alliance. Aujourd'hui, lelo, une nouvelle alliance. Alliance à Sika. Va venir dans vous. Et puis on a mis le collier. Le collier, c'est le signe de l'autorité. Le verset 45. On l'a changé de nom. Dieu veut changer ton nom. Tu t'appelleras plus misère. Mais tu t'appelleras plantation de l'éternel. Celui qui vit sur la gloire de Dieu. Je chante ton nom. Je chante ton nom. Tu as pris Abraham. Et avant de changer son nom, Abraham, il y a deux H. Mais tu as mis son nom au milieu. Et il s'appelait Abraham. Le nom a changé. Le nom a changé. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a une seule personne qui ne change pas. C'est Dieu qui change. Mais les hommes changent. Dieu ne change pas. Il aime les changements. Voyez une révélation ici. Dans Hébreux 8, 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Oh, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, ce qui est prêt à disparaître. L'ancienne alliance, c'était la loi. C'était les prophéties.
Et là, ma sacole. Dans les prophètes. Madame ma sacole. Mais la nouvelle alliance. C'est la grâce. Et là, c'est l'accomplissement des prophéties. Et là, frères et nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Mais nous sommes au temps de l'accomplissement. Des prophéties. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps des actes des apôtres. C'est notre temps. Une autre révélation. Au temps de Salomon. Dans l'Ancien Testament. Il y avait une loi. Qui disait. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Ecclésiaste 7:13. Tout ce qui est courbé ne peut se redresser. Tout ce qui manque ne peut être compté. Donc, si tu es courbé, tu ne peux pas te redresser. Si tu es maudit, tu ne peux pas te béni. Si tu es perdu, tu ne peux pas te retrouver. Si tu es malade, tu ne peux pas te guérir. Si tu es possédé, tu ne peux pas te délivrer. Si tu es chômeur, tu ne peux pas être appelé travailleur. Si tu es célibataire, tu ne peux pas te marier. Si tu es vaincu, tu resteras vaincu. Et cette loi a condamné beaucoup de gens. Cette loi condamne beaucoup de gens. Et cette loi fait encore des dégâts aujourd'hui. Par manque de connaissances. Comme nous ne sommes pas du changement. Dans Luc 13, verset 10 à 13. On parle d'une femme courbée. Pendant 18 ans. Mais cette femme était dans la synagogue. Dans l'église locale. Mais elle était courbée. Pendant 18 ans. Frères et sœurs, il n'y a qu'une loi qui peut annuler une autre loi. Il y a un décret qui peut annuler un autre décret. Il y a une loi qui peut attirer une autre loi. On révoque un décret par un décret. Le décret spirituel est l'une des causes qui fait que les gens n'ont pas la plénitude de la vie chrétienne. Un décret est un document signé par quelqu'un, par une autorité. On l'appelle aussi acte. Ou ordonnance. Ordonnance. Là, c'est le document cité par Satan. Pour condamner les gens dans le péché. Pour condamner les gens dans la mort. Et dans la destruction. Satan continue à dire. Il est à moi. Frère, si le décret n'est pas révoqué dans ta vie, rien ne peut être réglé. Tu ne vivras pas en paix. Tu peux être pasteur. Tu peux être travailleur. Mais si tu as un problème spirituel, si tu vis un décret, rien ne peut marcher dans ta vie. Il y a des couples qui vivent
sous un décret. Et il ne peut pas voir le mariage stable. Peut-être que tu vis sous un décret. Mais aujourd'hui j'ai la bonne nouvelle. Pour toi cet après-midi. La Bible me dit. Dans Romains 8:1. Que la loi de l'esprit. En Jésus-Christ. M'a affranchi. De la loi du péché. Et de la mort. Colossiens 2:14 dit. Il a effacé l'acte dont les odorants nous condamnaient. Et qui subsiste pour nous. Il les a détruits. En les coulant. Sur le Golgotha. Il n'y a que Jésus qui peut annuler cette loi dans ta vie. Toute loi établie dans ta vie est annulée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que toute loi qui est établie dans ta vie, je l'annule. Je ne peux pas l'annuler. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Au nom de Jésus. Toute loi des ténèbres dans ta vie est annulée. Il y a des familles où les gens sont condamnés. Ils souffrent de la maladie. Ils ont l'esprit de mort. L'esprit de célibat. La stérilité, la pauvreté. Il y a des gens qui sont sous l'influence du décret spirituel. Comme cette femme dans Luc 13, verset 10 à 13. Mais Jésus, le roi des rois, a redressé miraculeusement cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Jésus vient changer et révolutionner une loi du temps de Salomon. Qui déclare que tout ce qui est courbé est redressé. Et ce miracle, Jésus l'a fait le jour du sabbat. Sabbat, c'est le jour de repos. On peut pas faire la guérison le jour du sabbat. Mais Jésus, je vais montrer aux juifs que lui, il est le sabbat. Il est le sabbat. Jésus est au-dessus de la loi. Jésus est au-dessus de la loi. Quelle que soit la loi qui pèse sur ta vie. Jésus est capable de l'enlever. Jésus est capable de l'enlever. Jésus est capable de l'enlever. Jésus est capable d'aller au-delà de la loi. Jésus a renversé les lois établies par les hommes. Et on me dit que cette femme et cette fille était la fille d'Abraham. C'est quelqu'un qui était sous la promesse. Quelqu'un qui est sous la promesse doit vivre sous la protection de Dieu. Doit vivre sous la grâce de Dieu. Mais le diable l'avait frappé. Cela pendant 18 ans. Frères et sœurs, être enfant de Dieu, vivant sous la protection, vivant sous la grâce, ne nous empêche pas d'être attaqué par le diable. Mais la différence est qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne vaincront pas. Le malheur attend toujours les justes, mais le Seigneur l'a délivré toujours. Amen. L'ennemi a déformé le dos de cette femme. Je dis, l'ennemi a déformé le dos de cette femme. C'est ça le malheur qui atteint toujours les justes. Mais le Seigneur l'a délivré miraculeusement. Frères et sœurs, je suis témoin de la guérison divine. Je suis témoin. Au mois de juillet de l'année passée, j'ai été frappé par un AVC. Je ne peux pas marcher. La parole était difficile à faire sortir. Mais aujourd'hui, je vais te témoigner que Jésus m'a guéri. Que Jésus m'a guéri. Jésus m'a libéré. Sans séquelles. Jésus m'a libéré. Toi qui es mal
Cette femme était dans la synagogue. Dans l'église locale. Elle suivait les enseignements. Étant infirme. Depuis 10 ans, 18 ans. Pendant 18 ans. Le seul horizon de cette femme était le sol. Elle ne voyait que les pieds des autres. Elle ne voyait plus le regard des gens. Personne ne prêtait attention à elle. Mais Jésus l'a vu. Le regard de Jésus est rempli de compassion. Jésus lui parle. La parole de Jésus donne la vie. Jésus la touche. Touché de Jésus. Jésus communique l'amour quand il touche les gens. Cette femme a reçu. Cette femme a guéri. Cette femme s'est laissée faire. Elle s'est redressée. Elle a retrouvé sa dignité. Elle pouvait lever le regard vers les autres. Et elle a glorifié le Seigneur. Elle a célébré le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous parlons aussi de la restauration. Restaurer, c'est réparer. C'est rénover. C'est rétablir à l'état ancien. À l'état initial. À la forme première. C'est arranger ce qui était endommagé. Depuis la chute d'Adam. Le plan de Dieu est de restaurer l'homme. Toute vie brisée peut être restaurée. Le Seigneur peut complètement restaurer ton être entier. Corps, âme et esprit. Et il peut te redonner la joie de vivre. Dieu peut guérir le traumatisme du viol. La rupture des fiançailles. La déception d'amour qui dure plusieurs années. Là où il y a la mort, il peut mettre la vie. Il change les vêtements. Il deuil en joie. Il sèche les larmes qui coulent dans ta vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Acclame le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est ton jour de restauration. C'est ton jour de changement. C'est ton jour de renouveau. C'est un jour de réveil. C'est ton jour. Jésus va toucher la femme. Et en la touchant la femme, son dos va se redresser. Pour toucher, on touche avec la main. Aujourd'hui, que la main de Dieu te touche. Là où tu es. Que la main de Dieu te touche. Quand la main de Dieu touche, il y a une puissance qui descend du ciel pour toucher les gens. Cet après-midi, Dieu va toucher les gens d'une façon particulière, d'une façon spécifique. Quand la main de Dieu est sur toi, la main de 20 sorciers n'aura aucun pouvoir. Dieu va te laisser. Quand la main de Dieu est sur toi, tu seras béni. Tout ce que tu touches sera béni. Tu ne verras plus la honte. Tu ne connaîtras plus la maladie. La maladie va partir. Même si elle refuse de partir, elle ira de force. Qui sera au-dessus des forces sataniques? Qui sera élevé? Les gens vont te respecter. Qui quittera des zéros pour être un héros? Par ma bouche, je te dis que Dieu te dit que la bénédiction va te suivre. La bénédiction va t'attraper. La bénédiction va te surpasser. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Reçois le réveil. Reçois le réveil dans ta vie. Reçois le changement dans ta vie.
il n'y a que Jésus qui peut restaurer. Et là, yes, afin de retrouver ce que tu as perdu. La restauration est possible. C'est aujourd'hui. Vous savez que Dieu a formé l'homme. Mais le péché a déformé l'homme. La religion a réformé l'homme. Mais Jésus, la parole, est venu restaurer l'homme. C'est Jésus seul qui peut te restaurer. Et j'ai amené ce Jésus de la restauration. Il va le faire dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit change. Vous savez, le changement, c'est moi. Quand on parle de changement, tu vois ton collègue, que c'est lui qu'on parle. Mais le changement, c'est moi. L'auteur du changement, c'est moi. L'ennemi du changement, c'est moi. Le bénéficiaire du changement, c'est moi. Tout doit changer dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Le vrai changement, c'est celui qui vient avec la parole de Dieu. Le vrai changement, c'est quand il y a une prise de conscience. Le changement, c'est un défi que tu lances pour toi et pour moi. Entrons dans la logique. Le réveil ne viendra jamais s'il n'y a pas une nouveauté de vie en nous. Si nous demeurons les mêmes personnes, on ne va pas toucher le réveil. Notre relation avec Christ doit être la base de ce changement. Pas nos propres efforts, mais c'est l'action du Saint-Esprit qui travaille. Dieu nous change d'abord avant de nous bénir. Sinon, cette bénédiction va amener la bagarre. Amen. Voyons quitter. Amen. Dieu nous chante d'abord avant de nous bénir. Sinon, cette bénédiction va amener la bagarre entre nous. 2 Corinthiens 7, 17 dit: si quelqu'un est uni en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Quand nous venons à Christ, il y a un transfert qui s'est fait au niveau spirituel. Amen. Je donne mes saletés à Christ. Je donne ma mauvaise vie à Christ. Et Christ me donne la nature de Dieu. Il me donne l'amour. Il me donne la sainteté. Il me donne l'humilité. Il me donne le pardon. Il me donne la bonté. Si mon cœur est sauvé, ma poche doit être sauvée. Les gens qui ne donnent pas, il faut demander quel Jésus il avait su. Si ton cœur est sauvé, ta poche doit être sauvée. Ton langage doit être changé. Ton comportement change. Ton habillement change. Ta vie change. Ta façon de voir les autres change. Le point de départ, c'est Christ. C'est Christ. Amen. Amen. Le changement vient quand on accepte Christ. Je vais supplier les gens qui jouent encore avec leur vie. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mets ta vie en ordre. Les jours sont comptés. Mets ta vie en ordre. Et Dieu va te changer. Avant Christ, tu étais colérique, rancunier, égoïste, menteur. Étant en Christ, les gens doivent voir le changement. Ce changement
C'est aujourd'hui. Pas demain. L'obité. C'est aujourd'hui. Lélo. Pas demain. L'obité. C'est aujourd'hui. Lélo. Dieu. Zambé. Est en train de relâcher. Le vent de changement. Dans ta famille. Dans ton église. Dans ta vie. Même dans ton travail. J'ai un frère ici. Il a déposé beaucoup de CV. Mais il n'a pas continué le travail. Mais je te dis que les changements arrivent. À la fin de cette convention, tu vas signer un contrat. C'est un frère. Tu vas signer. Le changement arrive. Changement arrive. Il y a une soeur qui a le problème pour enfanter. Elle a prié, elle a gêné, mais l'enfant ne vient pas. Mais je t'ai dit que la fin de cette convention, c'est une convention de changement. Tu vas témoigner le Seigneur. Tu vas témoigner le Seigneur. Les mains vont prier. Oh, Rakababaya. Et les changements vont entrer en toi. La maladie va disparaître. Les soucis vont disparaître. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les changements? Jusqu'à toi. Comptons tous. Totanga bisognos. Un. Deux. Trois. Seigneur, commence à toucher. Il est enterré.
rakaba, ora kababa ya 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 rakaba, ora kababa. On choisit aujourd'hui.
chacun verset dit. Chaque abri.